in my hand. And if one day I find myself out all alone, I'll hammer till the evening and pound my way back home. 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 Il y a longtemps, bien longtemps, alors que les États-Unis avaient encore du mal à se débarrasser de ses petits chaussons de bébé, vivait un homme du nom de John Henry. Aucun livre d'histoire ne vous parlera de John Henry, pour la bonne raison qu'il était bien trop grand pour ces livres-là. Mais disons les choses comme elles sont. John Henry fut le plus prodigieux et sacrément le plus grand bâtisseur de pays que l'Amérique ait jamais connu. Oh, bien sûr, il y a eu vos Washington, vos Jefferson, mais ce ne furent que des présidents. C'est que John Henry, lui, c'était un poseur de rails. Certains s'imaginent tout savoir de la fameuse épreuve entre John Henry et la foreuse pneumatique. Mais la plupart ne savent pas faire la différence entre un tire-fond et un tire-bouchon. Faut vous dire que j'étais dans le coin quand John Henry est devenu le roi des poseurs de rails. Et mes souvenirs sont aussi clairs que la lune au Kentucky par une nuit d'été. Alors ouvrez vos oreilles, parce que je vais vous dire la vérité sur John Henry. La vérité vraie, plaqué or, garantie à 99%. Tout a commencé dans un petit village au plus profond des champs de coton du Sud. Mama et Papa Henry étaient de simples cueilleurs de coton, ni plus ni moins que nous autres. Ils vivaient dans une maisonnette en bois, et un matin de printemps, Mama donna naissance à un enfant baptisé John Henry. Tout le monde comprit tout de suite que John n'était pas comme les autres. Un bébé qui naît avec un marteau en main, ça ne se voit pas tous les jours, non? Comme on ne voit pas plus, un bébé pesait 24,5 kg à sa naissance. John Henry, oui. Et ce n'était pas le plus étonnant. 2 heures après être sorti du ventre de sa mama, John Henry se mit à parler. « Si ça ne vous dérange pas trop, dit-il, doux comme un ange, ça ne vous ennuierait pas de me donner à manger? J'ai une faim de loup. » Personne n'avait jamais entendu un bébé de 2 heures parler. Mais au bout d'un moment, mama demanda à John Henry ce qu'il aimerait manger. « Bon, dit-il en réfléchissant et en comptant sur ses doigts, j'aimerais avoir 8 jambons à l'os, 2 marmites de haricots noirs, 1 tranche de pain de maïs d'un bon maître, 3 chaudrons de soupe aux choux, une montagne de purée, 4 tartes aux pêches et 2 pots de café fort. Et encore une fois, si ça ne vous dérange pas. » John Henry fit un bon repas dans l'ensemble. Il était à tel point repu après ça que, ma parole, il dormit 8 jours d'affilée. Les années passèrent et John Henry grandit. À 2 ans, il s'amusait à jongler avec des poulets. À 6 ans, il luttait avec des cochons sauvages, tout en jonglant avec les poulets. Et à 10 ans, eh bien à 10 ans, John Henry était déjà plus qu'adolescent. Mais ce que John Henry aimait le plus au monde, mais alors vraiment, c'était jouer du marteau et chanter sa chanson. Il tapait sur les branches, sur les poteaux de clôture, les gamelles, les clous rouillés, les rochers, tout ce qui lui tombait sous la main. Il frappait le matin, il cognait le soir. Ses bras étaient devenus aussi durs que la souche d'un chêne. Il avait la poitrine plus ronde qu'une barrique. Et oui, il était devenu si imposant qu'un jour, il n'arriva pas à franchir la porte de la maison familiale. C'est là que John Henry se dit que l'heure de partir de chez lui avait sonné. « Mama, dit-il un matin, je suis un homme à présent, un homme véritable. » Et je vais me chercher du travail où il faut avoir le marteau en main.
John Henry quitta ses parents et il marcha au nord, à travers la campagne. Et dès que le soleil se couchait, enflammant tout le paysage comme un incendie, il se chantait sa chanson. Yeah, my name is John Henry, and I'm a natural man. I was born one morning with a hammer in my hand. And if one day I find myself out all alone, I'll hammer till the evening, pound my way back home. 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 Un après-midi, alors qu'il traversait une forêt déserte, il tomba sur les rails d'une voie de chemin de fer. Les rails brillaient comme de l'argent dans la lumière du jour. Ils étaient posés sur des traverses de bois fraîchement taillées, dont l'odeur embaumait l'air léger. John Henry s'exclama, sans s'adresser à qui que ce soit, « Crénom, si ça c'est pas une voie de chemin de fer, je suis un âne et un faible d'esprit, les deux à la fois !» John Henry, qui n'était pas un âne, et encore moins un faible d'esprit, avait raison d'affirmer cela. En réalité, il était tombé sur la grande ligne de chemin de fer Chesapeake and Ohio Railroad, qui était en construction à ce moment-là. La ligne CNO, comme on se plaisait à l'appeler, devait rejoindre l'Est à l'Ouest de l'Amérique. La voie ferrée traversait l'une des régions parmi les plus sauvages, les plus profondes, les plus sombres et les plus ventées de la Virginie, se faufilait de plaine en vallon, à flanc de montagne, ou passait à travers des forêts plus denses qu'un champ de maïs au temps des récoltes. Oui, John Henry comprit tout de suite qu'il avait levé un gros lièvre, et après avoir suivi les rails toute la journée, il atteignit la crête d'un rocher. Et du haut de ce rocher, il vit le point où la voie se terminait, loin dans la vallée, et une foule d'hommes qui demeuraient et travaillaient là. De son promontoire, il pouvait entendre le cliquetis des masses tapant sur des tire-fonds, et pour John Henry, c'était une musique divine. Une merveilleuse harmonie, résonnant de colline en vallon comme un chant d'oiseau au début du printemps. « Ça, c'est un travail pour moi !» cria John Henry, à qui l'aurait entendu. « Un travail pour un homme véritable, voulant bâtir ce pays marteau en main !» Là-dessus, John Henry dévala la pente aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Et quand il arriva au campement, il resta stupéfait. Il n'avait jamais, jamais vu ça. Il y avait là des hommes des quatre coins du monde travaillant ensemble avec des marteaux. Il y avait des noirs, des hommes à la peau bistrée ou rouge, des hommes jaunes de peau, des blancs aussi. Quand John Henry atteignit le camp, il fila droit jusqu'au bout de la voie, sans se soucier de rien, saisit une masse de 5 kilos et se mit à enfoncer des tire-fonds d'acier comme à la parade. Clac! Un coup par-ci, bam! Un coup par-là, ding sur celui-ci et dong sur celui-là. Au bout d'un moment, chacun abandonna son ouvrage pour aller voir l'étranger plutôt imposant qui cognait avec un tel enthousiasme. Ils se rendirent immédiatement compte qu'ils avaient affaire à l'homme le plus véritable qu'ils aient jamais vu. Il tapait tellement fort sur les tire-fonds qu'il se mettait à fumer. Certains allant même jusqu'à s'enflammer. On vit bientôt arriver le capitaine qui, comme les autres, regarda John Henry à l'œuvre. « Fils, dit-il au bout d'un moment, tu es le poseur de rails le plus incroyable que j'ai jamais vu. On m'appelle Captain Tom, et ce serait un honneur pour moi si tu acceptais de te mettre au travail dès demain. » John Henry posa sa masse et sourit. « Content de vous connaître, Captain Tom. Depuis que je suis né, j'attends de bâtir ce pays marteau en main. Et je n'ai pas l'intention d'attendre plus longtemps. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais commencer tout de suite. » Sur ces paroles, John Henry travailla à la pose de la voie ferrée du CNO. Poseur de rails, ce n'est pas un métier de tout repos. Normalement, il faut compter trois hommes travaillant en rythme pour enfoncer un tire-fond dans le sol. Un homme appelé Trembleur est chargé de tenir la cheville en place pendant que les autres tapent dessus.
Mais John Henry avait sa manière à lui. Il avait demandé au forgeron de lui fabriquer deux masses de 20 kilos que bien des hommes n'arrivaient même pas à soulever. Il tenait une masse dans chaque main, comme des baguettes de tambour. Il prenait un tire-fond qu'il fichait en terre, comme s'il jouait aux fléchettes. Et il l'enfonçait avec l'une des masses, et ainsi de suite. Bing, bang, boum, tout en chantant au rythme des coups. En vérité, John Henry n'aurait pas pu cogner sans chanter. Et vice-versa. Parce que pour lui, chanter et cogner faisaient partie d'un tout. Yeah, my name's John Henry. I'm a natural man. Well, I was born one morning with a hammer in my hand. And if one day I find myself out all alone, I'll hammer till the evening and found my way back home. And found my way back home. Found my way back home. John Henry devint un tel expert dans la pose des tire-fonds qu'il arriva à faire le travail de 10 hommes en moitié moins de temps. Il était capable de cogner la tête à l'envers, par-dessous ou par-dessus le bras, une main dans le dos, les yeux bandés, de côté, de face, et sous d'autres formes si compliquées qu'il faudrait une centaine de tableaux noirs et une tonne de craie pour l'expliquer. Il travaillait tellement vite qu'il lui fallait des pompiers à ses côtés pour éviter que les masses ne prennent feu. Et quand il enfonçait un tire-fond, le sol tremblait à 100 lieues à la ronde. John Henry continuait à poser des rails, heureux comme une abeille butinant des fleurs de cotonnier. De temps à autre, il allait se balader dans le pays, pendant plusieurs mois, posant des voies un peu partout. John Henry posa à lui seul plus de voies ferrées que tout homme vivant ou mort, avant lui et après lui. Et puis un jour, vers la fin de l'été, alors que John Henry était revenu travailler pour la CNO du côté de Big Bend Mountain, un inconnu arriva au camp. Cet inconnu était vêtu comme une gravure de mode, un vrai dandy de la ville, travaillant pour le grand Cornelius Vanderbilt. Le type était venu avec un énorme engin, comme on n'en avait jamais vu. Un engin fait de tôle et d'acier, couvert de jauges, de cadrans, hérissé de mèches et de marteaux. Cette machine s'appelle une foreuse pneumatique, expliqua l'inconnu à l'intérieur du camp. Elle pose des tire-fonds 5 fois plus vite qu'aucun homme sur cette terre. Ce type ne se faisait guère d'amis en disant une chose pareille, parce que personne n'appréciait l'idée qu'un tas de ferrailles puisse faire leur travail. Mais les gars se grattèrent le crâne, l'œil rivé sur la machine, et se disant que peut-être, j'ai bien dit peut-être, ça se pourrait. Pas grand son ne sortit de leur bouche. Quand le silence devint si lourd qu'on aurait pu entendre une coccinelle bâiller, John Henry s'avança. « Je mourrai plutôt marteau en main avant qu'une machine batte un homme !» dit-il d'un ton net, sans chercher à se vanter ou à vexer les gens. Et il poursuivit. « Un homme est un homme, et aucune machine ne peut égaler un homme. Un homme a un cœur, là-dedans, un bon vieux cœur qui bat. Mais cette machine n'est rien d'autre qu'une masse d'acier, froide et sans âme !» En entendant cela, les gars approuvèrent de la tête et du regard, mais l'inconnu sourit avec des reflets d'or dans les yeux. « Dois-je comprendre que tu aimerais te mesurer à ma foreuse pour voir qui arriverait à planter le plus de tire-fonds ? » demanda-t-il. « Si c'est ce que je suis obligé de faire, répondit John Henry, je le ferai, parce que je suis un homme véritable. » L'épreuve fut fixée à 2 jours de là, à 9 heures du matin. John Henry contre la foreuse pneumatique. Inutile de vous dire que 2 jours plus tard, au moment où le soleil se faufilait derrière Big Bend Mountain, des gens venus de tous les horizons commencèrent à envahir la vallée. Ils arrivèrent à pied, à cheval, en carriole et même en chemin de fer, rien que pour voir John Henry ridiculiser la machine à vapeur. À 9 heures pile, le silence se fit dans la foule et un officiel leva son pistolet. L'épreuve avait commencé. La foreuse pneumatique opérait sur le rail de droite. Elle prit aussitôt la tête, toussant, crachant et faisant un raffut métallique montant jusqu'au ciel. Des types jetaient des pelletées de pommes de pin dans ses entrailles pour l'alimenter et la machine perçait des trous dans le sol à la vitesse d'un coup de fusil. John Henry avait le rail de gauche, cognant, jouant des muscles, déchaînant sa force légendaire. Et bam,
un coup par-ci, un coup par-là. Tout en chantant sa chanson rythmée par les coups de masse. C'est ainsi que les heures s'égrenèrent. Une heure, deux heures, trois, quatre, cinq heures. Le soleil qui avait grimpé haut dans le ciel semblait s'y être accroché. Les masses de John Henry étaient devenues si brûlantes qu'elles rivalisaient avec l'éclat du soleil. Mais la foreuse pneumatique était toujours en tête. À 4 heures de l'après-midi, John Henry et la foreuse pneumatique étaient coude à coude. Ils arrivèrent à l'entrée de Big Ben Tunnel et s'y engouffrèrent. La foule attendait au dehors, suivant la progression de l'épreuve à l'oreille. On entendait les mugissements et les crissements de la machine, crachant et hurlant comme un chat de gouttière. Mais couvrant cet horrible tintamarre, on entendait la voix de John Henry, plus sucrée que les maïs d'été, se répercuter sur les parois du tunnel. Yeah, my name's John Henry. I'm born a natural man. I was born in the morning with the hammer in my hand. With these hammers of steel, I can whip any steam drill. À 5 heures, au moment où l'air devenait plus frais, un autre coup de pistolet retentit. L'épreuve était terminée. Tout était silencieux dans Big Ben Tunnel. On entendit quelques « chhh » dans la foule, et la vallée devint aussi paisible qu'une salle de danse un dimanche matin. Au bout de quelques minutes, l'officiel sortit du tunnel. Il s'avança droit au milieu des rails, leva la main en l'air, et cria. John Henry a enfoncé plus de tire-fond que la foreuse pneumatique. John Henry a battu la machine. Et oh là 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 là. Si vous aviez entendu la foule exploser, ça sautait, ça hurlait de joie, heureux comme des hirondelles retrouvant leur nid, ravis de la victoire de John Henry. On se serait cru un jour de fête nationale. John Henry sortit alors du tunnel, couvert de suie de la tête aux pieds, toussant et se tenant la poitrine comme si quelque chose s'était rompu à l'intérieur. La foule fit à nouveau silence et John Henry s'allongea sur le sol. Pardonnez-moi, bonnes gens, dit-il, mais il fallait que je batte cette machine. Et je l'ai battue. À présent, je vais aller dans ma tombe, marteau en main. Personne n'en croyait ses oreilles. John Henry venait bien de ridiculiser cette machine, non? Mais étendu là, ses marteaux en croix, le visage couvert de suie, John Henry rendit le dernier soupir. Le dernier soupir, là, devant tout le monde, alors que le soleil allait se coucher pour la nuit. Les uns dirent que John Henry était mort le cœur brisé, parce qu'il savait qu'un jour, la foreuse pneumatique remplacerait tous les bouts de cheville du pays. Les autres dirent qu'il était mort d'avoir respiré trop de suie. Il se révéla que John Henry n'était pas mort du tout, qu'il était simplement tombé dans une sorte de long, de profond sommeil dont il n'était pas encore sorti. Et si vous ne me croyez pas, crénom, allez-y voir vous-même. Il vous suffit de prendre le train, n'importe lequel, et de rouler à travers la campagne. Et le soir, ou la nuit, quand la lune est bien ronde, bien pleine, et le vent juste comme il faut, il vous suffit d'écouter les roues battre le tempo sur les voies. Un et deux, comme un tambour.
et ma parole, c'est le son des tire-fonds plantés par John Henry au paradis. Oui, comme je vous le dis, c'est le son du marteau de John Henry posant la voix de son retour parmi nous.